Bonjour à tous et donc bienvenue chez moi pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais faire tester un jeu à Missel. C'est toi qui t'y colle. Oui, enfin plutôt toi parce que... Qu'est-ce que j'ai fait que tu vas me faire découvrir, tu vas me faire découvrir. Alors aujourd'hui, on va jouer à Giant Citizen Kabuto. Putain, c'est quoi ce truc? Ça va, tu ne connais pas, donc ça c'est bien. Parfait. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2001. Donc c'est un jeu qui quand même qui date, donc graphiquement c'est un peu passé forcément. Maintenant, moi ça m'a pas choqué quand je m'y suis remis pour faire le test, mais voilà, moi c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu très drôle, qui mélange beaucoup de genres différents, parce que t'as un peu de stratégie, t'as de l'action, t'as du FPS. C'est, voilà, ça mélange beaucoup de genres, mais c'est un jeu qui est vraiment très très drôle. Ok, c'est vraiment un jeu... On s'y met. Donc on y va, hein, c'est parti. Salut papa! Toi, tu rentres et tu vas faire la vaisselle. D'accord. On est à la recherche d'un pote à nous. Regardez-moi. Je crève la dalle. Depuis l'arrivée de ces fichus marines, il est devenu trop dangereux de chasser les vimps tout seul. Apportez-moi 20 beaux steaks de vimps et on parlera après. Donc t'es un mecha, donc je suis un mecharine, ouais, effectivement. Ouais, ça veut dire que t'es pas humain du tout, c'est pas une armure. C'est un humain. Mais ouais, bon, effectivement, j'arrive pas à voir ma tête, mais bon, on le voit sur mon pote là. C'est pas le début du jeu, ça. Jaune. C'est... Donc en fait, le jeu est réparti en trois actes. Ouais. Totalement différents les uns des autres. Alors, ouais, voilà. C'est vrai que ça date, mais c'est pas moche non plus. Ah non, c'est très coloré, très lumineux, c'est ça qui fait que ça passe. Alors... C'est génial. C'est que voilà, t'as un jetpack. Et ouais. Jungle Pet. Alors j'ai une petite arme de mer, ça c'est un fait. Donc ben voilà, je récolte les vignes. Donc ça c'est des créatures. Voilà, c'est l'espèce de. Parce que je te disais tantôt, il y a de la stratégie. Parce que à un moment tu construis des bases. Et mais ça on verra pas forcément aujourd'hui parce que c'est. Ouais, c'est un gros morceau ou pas? C'est plus long aussi, mais voilà. Et toi, c'est un petit RPG? Non, il n'y a pas de côté RPG, t'as pas de. Bon, tu choisis ses armes, t'as plusieurs armes différentes dans l'échelle 17, ça t'as va. T'as pas de points de compétence, c'est réparti. Il n'y a pas de points de compétence, non. Pourquoi il y a leur fantôme qui reste? Parce que, voilà, donc, comme je disais tantôt, le jeu est réparti en trois actes. Ouais. Alors, tu as. L'acte 1, c'est les mécarines. Tu joues les mécarines. La deuxième, tu joues les marines. T'as vu, le petit s'est fait attraper par un gros là. Si, c'est pas normal, la petite vaisselle s'est fait attraper avant dans la cinématique. Oui, c'est ça. Il s'est fait attraper, et donc ça c'est les marines, mais bon, tu joues pas ce marine là, mais tu joues une marine. Regarde, il y a le chat. Le petit chat, il peut voir le gameplay. Et donc, et le troisième acte, tu joues Kabuto, qui est un énorme monstre que je vous montrerai après. Donc voilà, là on a été, donc tu vois en haut à droite, on a récupéré 9 steaks de bim, donc là, on y va et on ramène. C'est des quêtes classiques, jusque-là. C'est ça, c'est une quête vraiment rapporter des trucs, mais. Ouah, à bouffer. Enfin le dîner. Minute. Mais cette viande est crue. Je ne mange jamais de viande crue. Ma femme fait tout cuire avant de servir. Vin doux, j'ai oublié ma bonne femme. Les gardes marines l'ont capturée l'autre jour. Ouais, désolé pour votre femme, mais nous sommes à la recherche d'un type habillé comme nous. Est-ce que... Oh, je sais pas, je peux pas réfléchir avec ces crampes d'estomac. Ma femme a peut-être vu votre copain, j'en sais rien. Oh, je vous en prie, trouvez ma femme. Utilisez donc ce buisson. Vous pourrez vous cacher dedans. Je suis sûr que ma femme peut vous aider. Ramenez-la moi, qu'elle me prépare à bouffer. Et pour la deuxième mission, je vais la faire en rush pour que tu vois un petit peu plus du gameplay. Ouais. Mais voilà. C'est vraiment joli, j'aime bien les trucs colorés. Ouais, non, franchement, au niveau joli, c'est... Bah, je trouve que pour 2001, franchement, c'est... Non, c'est correct. C'est pas encore... Mais tu vois, il y a une patte artistique, quoi. C'est pas juste... Ouais, voilà. C'est pas... Non, tu vois que les textures sont horribles parce que c'est 2001, voilà. Mais... Et il y en a pas beaucoup. Artistiquement, c'est vachement joli. Non, c'est joli. C'est... Ça dégage un truc vraiment... Pour du 2001, ça passe bien. Et t'as quoi sur le dos, là? Alors là, j'ai le buisson qui permet de me transformer en buisson. Ah, magnifique.
J'adore. Voilà, c'est tout le genre de conneries. Alors, ça c'est un ennemi de base, c'est les lacéreurs, donc... L'avantage de la serrure, c'est qu'il donne toujours de la vie quand il meurt. Enfin, du moins, il y a les petits, les moyens, les grands, ça c'est un grand. Et quand tu meurs, il se passe quoi? Tu meurs définitivement? Quand tu meurs, tu meurs. Alors, à savoir qu'en Mécarine, tu as un commando, donc là, bah, j'en ai un. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Tu peux en, t'en auras un moment 4 avec toi. Mm-hmm. Et alors, tu peux leur dire, tu peux leur donner des ordres, garde ce point et tout ça, ça me rappelle un peu la semaine passée. Qui, lui, c'est un marine? Ça, c'est un marine. Donc, ça, c'est les méchants. Donc, en gros, on est sur une planète. Une seringue de dos, prends! Donc j'ai utilisé celle que... Ah ouais, il y a un sniper là. Bonne. Regarde ça. Magnifique. J'ai dit one-shot pas, ouais, il m'a loupé, ça va. T'as tout ton écran pour viser, quoi. Mais tu sais pas monter ouais. Avec ton jackpot. Si, mais ça sert à rien d'aller au cac pour le tuer. Alors, c'est quoi ça? Alors, ça c'est une petite boutique. Ah. Et donc voilà, et il m'a donné une nouvelle arme en plus, donc là j'ai une mitraillette. Toujours plein soleil ou parfois t'as un... Non, il y a des trucs... T'as pas de nuit-nuit. Là tu vois, je suis verrouillé par un missile, je vais crever. Non, c'est bon. Suivant, on va juste tuer celui-là. Non, c'est bon. Oh, mon sauveur! Attendez, elle a mérité! J'ai laissé mon dehors et je dois la ramener. Bon, je vais pas me battre non plus, on va se casser directement. C'est quelle race? Parce qu'on dirait un peu. Tu sais, le film avec les extraterrestres qui viennent de Mars là. Mars Attack? Ouais, Mars Attack. Et ben justement. Ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est l'indice de la semaine passée. Ouais, Smarties. C'est un Smarties. C'était les Smarties. Smarties. Merde. Pourtant, j'adorais ce film quand j'étais gamine. Mais non, mais c'est pas Mars Attack, c'est pas les Smarties. Hein, mais, C'est le nom de la race. Mais ça, c'est les Smarties. Ok. Ils ressemblent vraiment au. Ouais, en plus grand. Ouais, dans Mars Attack. Quoi. Une grosse tête, un petit corps. Ouais, c'est ça. Et très moche aussi. Et très moche, oui. Les Mars Attack sont vraiment très moches. Voilà, donc là, on la ramène. Jimmy, je suis rentrée. Oh, tu m'as tellement manqué. Merci de m'avoir ramené à la maison. J'ai la dalle! Excusez-moi, mais nous sommes à la recherche d'un pote à nous. Oh oui, j'ai vu votre ami. J'étais en train de ramasser des patates pour le dîner lorsqu'il est apparu. Il m'a emporté et m'a baigné dans la rivière. Nous avons passé la journée ensemble dans un buisson. C'est là qu'ils sont arrivés. Ils m'ont privé de ma joie et m'ont traîné devant la maléfique reine Sappho. C'est le petit truc moche dont nous vous avons parlé, ma reine. Bien, pétez-lui la gueule. Donc j'ai pas de jetpack. T'as pas de jetpack, donc t'as pas. Et là j'ai pas de mission, je sais pas ce que je dois faire, ça. T'as bon, tu peux sauter? Non. Non, on sait pas sauter, et ça sert à rien. Tu sais pas sauter, non. Non, c'est tiré, ok, et c'était court. T'avances plus, hein. Ah oui, je tombe, je meurs. Oui. Ok. Ben voilà, donc première mission, voilà, c'est la plus facile. On sait pas sauter. Tu sais pas sauter, t'as pas le jetpack. Ah, j'ai des missions infinies? Oui. Si tu peux laisser cliquer, hein, ça peut. Ok, et j'ai qu'une arme. T'as qu'une arme pour là. Très bien. Alors, ça c'est méchant. Ouais, là il y a. Ah! Je défonce au loin, tiens, mange! Saloperie! Je vais l'appuyer en mission. Non, je vais l'appuyer. Yalla! Alors, tu ne le vois pas encore très bien, mais là il y a un ennemi en fait. Là il y en a un qui meurt. Il a une vie lui? Oui. Attends. Et tant que tu le laisses pas, il y en a. Ok. Il est mort? Non. J'ai beaucoup de points de vie. Voilà, c'est bon, il est mort. Ok. Ah, ils meurent tous quand. Et je peux me cacher? Ou c'est. Il y en a un qui bouge. Voilà. Je peux me cacher? C'est un bug? Non, c'est juste le nom du décor. Donc c'est un bug, quoi. Enfin, c'est. Voilà. C'est pas fait exprès, je suis pas caché. Je suis pas caché. Sinon, oh là, tu me vois plus. Moi, tu ne me vois plus.
Bon, j'ai vu que j'allais par là. Ouais, tu suis venu, en fait. Attendez, tu sais, avec la guitare de merde, t'as un truc qui est normal, t'as pas d'énormes accès à la tête. C'est moyen, bah, regarde. Il a pas explosé, normal ? Il explose pas, les lignes. Ah. Ouais, c'est malade, ça m'en va. Je peux détruire le pont, non, en fait. Non, pas con. Oh, putain. Avoue que je suis quand même badass là tout de suite, hein. Quelle idée. Moi j'ai pas le tapé de coupé. Il en a rien à foutre lui. Ok, et donc j'imagine que... lui il va me parler. Monsieur. Merci monsieur. Je m'appelle Baz. Oh là là. Et moi c'est Ahmed. Mais vous pouvez m'appeler Timmy, hein. J'ai fait chou la serreur, on avait appris mon beau jetpack tout neuf. Mais c'est le mien. Vous allez reprendre, hein, monsieur Basile. Je me suis vraiment bien amusé, moi. Bon, alors emmenez-moi jusqu'à ce puits de mine, Smarty. L'entrée est ouverte maintenant. Hey. Je vais vous montrer comment utiliser mon jetpack. Eh ben, joli tir, monsieur Baz. Monsieur Basile. Ouais. Je suis à la recherche d'un pote à moi. Il a exactement... Mais c'est quoi, ça? Hein? Oh, ça! Ouais, c'est des mannequins en forme de Smarties. Les marines essaient de nous faire peur pour nous chasser d'île et s'y installer. Mais elles se rendent pas compte que nous, on vit ici, oh, depuis... la merde! Ahmed! Hein? Les Smarties, ils sont vrais! Reprends-toi, tu pouvais pas savoir. Mes pilules, il me faut mes pilules, monsieur Baz. Vous savez, je suis très fragile. Allez, du calme. Aidez-les, je vous en prie. Oh mon Dieu. Quand je pense qu'hier encore, j'ai relancé des pierres. Ah ça, ils ont l'air d'avoir morflé. Je vous en prie, monsieur Baz. Je vous récompenserai si vous les sauvez. Mais dépêchez-vous. Allez. Donc voilà. Parce que c'est toi. Hein. Maintenant, tu peux dire. Sauver 4 Smarties, tiens, j'ai pas déposé sur le bateau. Mais j'ai vu des piranhas. Ah, voilà. Okay. Donc, pile droit, c'est le départ. Ok. D'accord. Donc, je dois maintenir, quoi, c'est ça. Et donc, t'as la jauge qui descend. Et elle se remplit automatiquement. Ok. Donc, je vais ramener là. Non. Non, voilà. Pas ça, c'est là où tu viens, en fait. C'est là où tu viens. Et où est-ce que tu lui ? Voilà. Ah, oui. Et tout est détruit, comment ça se fait ? Parce qu'il faut que tu utilises ton détail. C'est juste. Et. Parce que si tu tombes devant où, tu fais mal. Ah, tu peux doser, en fait. Tu peux lâcher. Ouais. Ah ! Non ! Ok, c'est bon. Ah, tu peux pas vraiment lâcher, quoi. Non, bah pas... si, mais au bon moment. Tu sous-entends que je fais ça au bon moment? J'ai même pris la colline est en pleine face, en fait. La colline est là. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Tu peux y aller en jetpack, là. Yamba! Ok, il y a des piranhas dans l'eau, là? Ouais. Ah. Donc le but, c'est d'aller sur les plateformes. Ok. Dans cette petite profondeur, il y a des piranhas, sans déconner? Eh ouais. Parce qu'ils vont pas vite, Péro. Alors là, tu vois, il y a du truc, il y a un Smarties qui va tomber. Tu peux regarder en l'air, regarde en l'air, il va tomber. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois l'attraper au vol. Comment je fais? Ah bah, tu utilises le jetpack, tu essaies de l'attraper. Ah, la classe! Et donc, le quid de mine, le dépôt Smarties, il est là-bas, là où il y a les barrières. Là? Non, là où il y a les barrières, plus loin. Non. Ouais. Ah, ok. Et c'est un à un que je vais les prendre. Un, ouais. Ok. Eh, j'ai quand même bien chopé. Ouais, non, let's go! Voilà! Ah, merci! Oh, vous avez rien? Ah, tu vois, il y en a un qui tourne là-bas, non, ça va. Ah! Là, tu passes le piton. Mais il tombe pas tout de suite, hein. Ah! Non! Il vit son jetpack là, mais je le fais! Je vais mourir! À droite, on va sur la plateforme du milieu. Je ne peux plus monter en fait. Ah, voilà.
T'as plus de trucs. Attends que ton pépote. Ah bah il est mort. Il est mort. Ok, lui là-bas il va tomber. Il va tomber. Ah mais il démarre pas quoi. Vas-y, attends, regarde-le. Et ton... Oh, tu peux monter dans la petite plateforme d'abord, comme ça c'est plus facile. Voilà, stop. Ah, je peux pas aller chercher mon lot ? Si, 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 mais... Voilà. Ah, bon, bah non. Ah, bah non, je vais pas réussir à l'avoir. D'accord. Allez. Allez, tu essaies de pas voir, mais... Non, tu vas te prendre deux, Ah, mais... Tu l'as, c'est quoi ça ? C'est les... Ils sont très armés, les pirates. Ah, moi j'ai plus de vie, j'ai pas récupéré la vie. Non, c'est pas récupéré la vie. Et donc bah voilà, ta phase de gameplay est terminée. Donc qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Tu connaissais pas? Donc voilà, dis-moi. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé ce jeu. Il est très dynamique, très coloré, plein d'humour. C'est typiquement le genre de jeu que j'aime vraiment beaucoup. Je suis plus axée RPG, mais là pour le coup, même l'action, je pense qu'au niveau de l'humour, ça en vaut juste la peine. Ouais, franchement. La petite phase de gameplay que j'ai eue est vraiment c'est sympa, c'est rempli de challenge, donc c'est cool. Et comme il est dit sur PS2, personnellement je pense que je vais me laisser tenter. Donc mission accomplie, Tori. Ah bah ça va, d'accord. Et bah on se retrouve donc pour la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Ouais, j'ai pas d'indice, mais je peux te dire une chose, ce sera sur console. Ça va, ok. T'es prêt à prendre la manette? Ouais, on verra. Allez, à la semaine prochaine. Salut!